Bonjour, voici le tirage des filles concernant la deuxième quinzaine de mai. Comme d'habitude, la première partie vous présentera le message du tirage et l'extension détaillera la dynamique qui est à l'œuvre dans cette situation. Le lien pour l'extension se trouve dans le menu titre de cette vidéo. Comme vous le savez, ces extensions me permettent de proposer les vidéos que vous trouvez sur la chaîne. Les petits ruisseaux formant les grandes rivières, j'espère que à terme je pourrai développer certains projets qui me tiennent à cœur et qui patiente le temps que je rassemble les ressources nécessaires. Merci beaucoup pour votre écoute attentive et à tout de suite. Voici donc votre tirage défi pour cette mi-mai. 1 million. Au sein de la sagesse des royaumes gâchés est sorti le prince du désert. Et au sein du tarot Shosen est sorti le chevalier d'épée, la lutte. Vous savez ce que dit Camus ? La lutte, à elle seule, suffit à remplir le cœur d'un homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Parce que la lutte, à elle seule, suffit à remplir le cœur d'un homme. Oui, c'est difficile. Oui, ça vous demande beaucoup d'efforts. Oui, vous en fournissez énormément des efforts. Et ça, je veux bien le croire. C'est dans votre caractère, c'est dans votre nature. Donc, oui, je sais, vous faites beaucoup d'efforts et vous n'avez pas les résultats que vous êtes en droit de recevoir. Ces deux cartes soulignent admirablement ce tirage parce que, d'emblée, on a le chevalier d'épée ici entre un as de coupe, le monde et l'as de pentacle. Et on a l'as de bâton ici. Vous voyez, le chevalier d'épée ici se balade avec beaucoup de monde. As de bâton, as de coupe, as de pentacle, le monde. Vous voulez la fin de cette traversée du désert. Vous voulez que cette situation évolue, vous voulez que cette situation se termine. Et bonne nouvelle, le jardin de Gaïa vous dit que oui, ça va se terminer. Mais quand vous aurez fourni tous les efforts nécessaires. C'est pour ça que j'aime bien les cartes. Elles sont... Elles sont pas manichéennes, elles sont ce qui est. Un reflet de la réalité. Oui, c'est long. Oui, cette lutte permanente vous fatigue. Hein, vous y voyez... Vous n'y voyez que des difficultés, mais la disposition d'esprit va faire la différence dans ce tirage. Parce que ce sont les choix qui comptent. Ce sont les décisions que nous prenons. Et tant que vous prendrez des décisions en fonction de vos regrets, il faudra poursuivre votre route. À partir du moment où vous vous concentrerez sur la valeur de vos choix, pour que cela amène ce que vous désirez dans votre vie, vous serez dans le jardin de Gaïa. Et pour certains d'entre vous, là, le tirage est encore plus spécifique. Quand vous cesserez de chercher au rond-point la personne qui vous attend sur la plage, sur la montagne, sur la colline, dans la vallée, allez savoir où, c'est-à-dire quand vous vous déciderez non plus à attendre que des choses évoluent toutes seules, changent d'elles-mêmes, que le passé se modifie. Plus vous penserez en termes d'avenir, plus vous penserez en termes de solutions, et plus vite ça viendra. Vraiment, c'est garanti. De toute façon, vous ne vous agiterez jamais avant le succès, donc elles vous le disent, le succès, il est possible. Mais d'abord, il faut vous concentrer sur la qualité de vos choix. Et notamment vos choix relationnels. Ça fait partie des choses que je vais développer avec le Wheel of Year en dessous. Puisque très clairement, il y a des relations qui vous satisfont, d'autres pas du tout. Et les cartes vous ouvrent une troisième voie qui est très intéressante. Parce que ce sont nos choix qui déterminent ce que nous vivons. C'est notre disposition d'esprit qui nous fait voir le monde ainsi ou ainsi. Bon, cette fois j'arrête. Comme vous le savez, vous pouvez me suivre sur l'extension pour avoir le reste de ce tirage. En faisant cela, non seulement vous avez
plus de renseignements, puisque je vais détailler le Wheel of Fire, je vais tirer des cartes d'oracle, mais vous soutenez aussi activement mon travail sur cette chaîne. Donc un très grand merci à vous de me suivre. Dans le menu titre, vous pouvez cliquer. Un très grand merci encore à vous d'avoir écouté cette vidéo, que vous pouvez liker, que vous pouvez commenter ou partager. Au revoir.